Salut tout le monde! J'espère que vous allez tous bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec un DIY hyper facile à faire et à la portée de tout le monde. Il vous faudra une paire de ciseaux, une pince à épiler, une lime à ongles. Donc non, nous n'allons pas faire de manicure, nous allons simplement donner l'effet usé à un jean et vous allez voir, c'est hyper simple. Ça vous coûtera pas un rond et vous aurez l'impression d'avoir un nouveau jean. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche située à droite sous la vidéo. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Donc pour ce faire, ce DIY sera réalisé sur un jean, d'une paire de ciseaux et d'une pince à épiler. Donc dans un premier temps, je vais passer le pantalon pour que ce soit un peu plus facile. Je prends ma paire de ciseaux et je vais découper dans le jean aux endroits que je désire. Attention de ne pas vous blesser. Donc là, je vais faire un premier trou. Et je vais en faire un, disons à 1 cm, juste en dessous. Et j'en refais un autre encore à 1 cm en dessous. Et ce qu'il faut faire, c'est que ensuite vous prenez la pince à épiler et vous allez tirer les fils qui se trouvent à la verticale. C'est beaucoup plus précis avec la pince à épiler. Tous les fils à la verticale viennent tout seuls. Voilà, vous épilez votre jean. J'ai oublié de vous dire aussi de vous munir d'une lime à ongles à gros grains. Ou alors un couteau peut aussi faire l'affaire. Donc on passe la lime à ongles pour limer les bords, pour casser cet effet de coupe franche et ça fera beaucoup plus joli. Moi je dis qu'on peut très bien le faire soi-même, ça vous coûte pas un rond quoi. Là je vais passer un petit coup de lime à ongles. On le fait un peu à l'arrache en fait, il n'y a pas besoin de perfection pour quelque chose qui est usé, hein. Je vais m'attaquer au bas du pantalon. Donc je coupe pour les. Au pire, il n'y a même pas besoin de. Voilà, c'est même mieux de le découper comme ça, de le déchirer, pardon. Et puis, on va faire pareil pour l'autre.